Hey, salut tout le monde, c'est Atomania et on se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de mon Let's Play sur Pokémon Or. Donc la dernière fois, nous avons obtenu le badge de Fredo et nous étions aussi à la tour radio pour empêcher la Team Rocket d'envahir le monde, je crois que c'est ça. Mais nous sommes maintenant dans le souterrain pour la Team Rocket, encore une fois. Et oui, je veux que mon Noirfang monte au niveau 41 pour qu'il apprenne Choc Mental. Donc, du coup, on le laisse en tête de l'équipe. Et j'ai affaire au premier... Tout premier sbire. Voilà. Ratata. Contre mon Noirfang. Allez, bélier. Voilà, comme ça, ça va être fait, au moins. Voilà. Le Noirfang, il gère le Noirfang, lol. Voilà. Et le Spire Rocket a perdu. 1080. Ah, j'ai combien d'argent? 4724. Ah ouais, ça va être le délire avec les interrupteurs et tout. Ça va être chiant, désolé pour le petit bruit. Un autre sur ferme. C'est dur, de chercher. Ok. Ok, d'accord. Super. Le sbire Rocket va se battre. Il envoie un gros plan. Wow. Bélier. Et il est pas KO. Ouais, mais sauf que il est presque mort, le gros tas de mort. Bon, du coup, je vais refaire un petit bélier. Et puis il sera mort et ça va retirer des points de vie. Parce que ça fait ultra mal. Voilà. Smogo. Après il aura un Smogo, je pense. Je pense qu'il en aura un. Allez, bélier. Allez, Noirfang. Ratata. Et bélier. Il me fait vivre avec le ratata. En plus, il n'a même pas de smogo. Il n'a pas de smogo. Et c'est bon. Le ratata, il est KO. Il est mort comme un rat. Celui Rocket a perdu. Zut de flûte. Je suis perdu. Ok. On gagne pas mal d'argent. Je sais combien là. Ah, 5724. Merci le micro qui prend pas ma charge des souffles. Un micro de chez Boulanger. Alors, il envoie un Smogo. Moi je veux qu'il ait un Smogogo et puis c'est tout. Nananananer. Et bélier. Pourtant, je suis en train de regarder Audacity. Lol. Ah, je sais, je m'amuse un petit peu. Et bélier. S'il va mourir. Il est mort. Et ça fait mal. Je sais. Mais mon Noirfang, lui, il ressent pas la douleur. Voilà. Un gros tas de morve, ça c'est plus intéressant. Surtout qu'il a un tas de morve. Alors est-ce qu'il va mourir? Eh non, ça ne passe pas. Écrase-face. Sérieux. Écrase-face. Et moi je te tue avec bélier. 807. Ah, même pas. Même pas level 40 quoi. 960. Alors on va le soigner un tout petit peu. Noirfang. Donc oui, après je vais faire exprimer mes Pokémon, promis. Mais juste que mon Noirfang apprenne Choc Mental. Oui. Voilà. Donc là, il y a des dresseurs à battre. Ah, je pense qu'on va faire la route jusqu'à Ebenel après. Ah, je m'en fous, je m'en fous.
Caninos. Allez, Bélier. Je pense qu'on va faire la route jusqu'à Ibenel, les gens. Si tout se passe bien. Voilà. Ouais, ça va être des épisodes longs. Comme d'habitude. 40. Plus qu'un niveau, les gens. Plus qu'un niveau, il apprend choc mental. Ah, ça va être cool, ça. Un Noir Fang avec choc mental. Et il est KO. Voilà, KO. De toute façon, j'ai entendu toute la soirée les épisodes de Or. Ah, peut-être que je serai à la ligue. Ouais, de toute façon, j'aurai le temps d'entraîner mes Pokémon. Alors là... secret interrupteur 2. Oui, on l'active. Ok, ok, d'accord, je vois. Ok. Donc là, faut faire ça. Normalement, ça peut être bon. Sois ouvert, s'il te plaît. Et, ah, le dernier, lui, il est ouvert. Et c'est bon, les gens. Oh, tant pis pour l'objet. Hein. Pour l'objet qui est juste à côté. Hein. S'en fout. Hein. On a réussi du premier coup, on n'a pas perdu trop de temps. Smogo. Noir Fang. Non, mais j'aimerais bien qu'ils aient des Smogogo, en fait. Pour vous faire XP un petit peu. Et hop, Bélier. C'est bon. 561. Magmar. Ah. Pour Magmar, je dis pas non. Je dis pas non pour Magmar. Lui, il va me remporter un peu d'XP au moins. Peut-être 5, c'est peut-être 600 ou 700. Ah, 894, c'est pas mal. Est-ce qu'il a pas deux Magmar Smogo? Il pouvait pas avoir deux Magmar. Bélier. Voilà, 561. Voilà, Elmer Pillard a perdu. 2024. Ah, il y a un objet par là. Un total soin. On va peut-être le soigner. Hop. Hop. Hyper potion. Ça le soigne, c'est bon. Allez, mais moi, je vais dire au niveau 41. T'es perdu? Non, je ne crois pas. T'as pas l'air d'avoir peur. Attends, je vais te faire peur. Ok. Si tu veux. Ortide. Eh ben moi, j'ai un Orfang. Je vais te faire vol, mon petit gars. Voilà. Acide. Vol. Et c'est bon. Ah, 706, ça fait plaisir, un petit peu d'XP. Ortide, oh bah ça va. Il devrait monter de niveau facilement. Acide. Vol. Et il est mort. Oh la vache. Ah. Et on va prendre la porte. Ah, on n'a pas toujours fait, on n'a toujours pas fini. Et ouais, il reste ça. Et normalement, mon Noir Fang devrait bientôt apprendre choc mental. Non, ça c'est cool. Lol. Lol. Parce que mon Noir Fang il est trop fort et tout. Bouh. Non, déconne. Bélier. Ah, c'est bon, il est mort. Allez, montez un petit niveau, ça. Ah, ça va. Non, non, non. Voilà. À l'issue de son combat, il va prendre choc mental. Bélier. Et...
c'est bon. Lol. Alors. Ah, 41. Narfang, t'en apprends choc mental. Le Narfang ne peut pas apprendre plus de 4 capacités. Ah oui, oui. Oh, hypnose, ça peut toujours servir. Allez, à la place du rugissement. Vieux fou. Ah, maintenant, bah, faut prendre un Pokémon qui est près du niveau 40. Pas voir l'effet expert en premier. Ah, bah, il y a Pharamp. Pharamp, 40, vous avez compris. Voilà, donc déjà, mon Noirfang est prêt pour la prochaine arène. Une 1000 max. Pas mal. Je me souviens de toi, tu m'as battu à notre planque. C'est vrai? Ah, moi je m'en souviens pas. Oh. Je sais pas qui tu es. Tadmorg. Pharamp. Point éclair. Tiens ta gueule. Et voilà. Et hop, plus de Tadmorg. Ah, c'est qui m'a envoyé un gros tan à Smogogo. Vous envoyez Smogogo juste maintenant, quoi. Et c'est bon. Non, je pense pas qu'on va faire la route des Bénel dans cet épisode. Hop, on continue par ici. Lol. Hey, comment t'es arrivé jusqu'ici? Bon, tant pis, je dois me débarrasser de toi. Un Smogo. Ouais, dommage, j'ai tourné du... Ouais, du Pokémon Donjon Mystère. Donc là, je tourne les épisodes de Pokémon Or. Et après, je vais... Et après, demain, Donjon Mystère. J'en tourne un max, hein, des Donjons Mystère. J'en tourne toute la journée, lol, PTDR. Si, je vous jure, j'en tourne toute la journée. C'est bon, KO. Il monte au niveau 38. Et ça c'est cool. Ah, il peut pas prendre d'attaque. Ouais, après on va re-aller au centre Pokémon. Oh. À 14 700 Poké-Dollars. Ah, ça c'est quoi? C'était 35. Ça m'intéresse. Alors, là c'était 35. Blabla dodo. Ok. Tu es venu me sauver? Merci. La tour radio, que se passe-t-il là-bas? Contrôlé par la Team Rocket? Tiens, prends cette carte magnétique. Attends, mon sur la carte magnétique. Utilise cette carte pour ouvrir les volets du deuxième. Je t'en supplie, aide-nous. Dieu seul sait ce qu'ils feront en contrôlant le transmetteur. Ils pourront même manipuler les Pokémon grâce à un signal spécial. Tu es mon seul espoir. Sauve la tour radio, pitié. Sauve tous les anti-Pokémon. Bah, c'est un petit peu mon but. Hein. En plus, il y aura la pièce rune. Là. Voilà, pièce rune. Alors, bah, on va la donner à Pharamp pour le moment. Parce que c'est lui qui est en première position, donc voilà. Voilà, pièce rune. Et de toute façon, il y a des objets ici. Je sais pas comment on fait. Macho par macho. Regarde, allez, petit, dégage. Ouais, mais je sais pas comment on fait pour les prendre. Hé, hey, petit, tu nous retardes, on doit travailler en cachette, là, où personne ne peut nous voir. Ok, mais je sais pas comment on prend les objets. Quel étage, RDC? Ah, mais ce serait pas un épisode de nuit?
Oh. Allez, hop, bonsoir, bienvenue au centre Pokémon. Lol, 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 lol. Oui. Oui, allez. Alors, encore merci et à bientôt. Lol. Je sais plus où je dois aller. Voilà, hop, on va pas réussir. Normalement, on va se faire de la thune avec la pièce rune. On va se faire de la thune. En plus, en retournant à la tour radio. Allez. Hop, la carte magnétique est juste là, les cœurs de way. Voilà. Ah, pourquoi le truc s'est ouvert? Bah parce que moi en fait je l'ai ouvert. C'est toi le responsable. Bah à ton avis si tu me vois arriver Bisbee Rocket va se battre. Un rat attaque. Pas mal. Point éclair, te rat attaque. Et c'est bon, il est KO le rat attaque. J'ai presque une équipe OP. Smogo. Allez, moi je te fais point éclair. Ah, le let's play de Pokémon Stadium s'approche à un grand pas. Mais de toute façon, je vais le faire après. Je vais le faire après la région de Kanto, moi. Voilà. Là, je fais la région de Kanto. Après, je fais le let's play de Pokémon Stadium 2. Enfin, je le refais parce que j'avais déjà fait. Quoi? Qu'est-ce que les Pokémon sont mignons? Les miens sont mignons après t'avoir fichu une raclée, ouais. Mais les miens, ils sont trop mignons. Abo. Ah ouais, c'est vrai, il est trop mignon ton Abo. Et point éclair. Ça va, c'est bon. Il est KO. Mystère. Allez, point éclair. Il est KO. Ouais, c'était ma mère qui m'appelait. Et il m'envoie Abo. Et hop, Abo. Et il lance point éclair. Ah non, c'est moi qui lançais point éclair, c'est pas lui. Et normalement je vais gagner. Ortide. Ortide, il résistait à mon point éclair. Mais bon, on peut tenter le tout pour le tout. Ah, ce n'est pas très efficace, acide. Allez, point éclair. À 678, c'est pas mal. Oh non, ouais, vous avez vu. Stop, on m'appelle la forteresse de la Team Rocket. Pas un pas de plus, petit. Ok. Ok. Fais comme tu veux, mec. Atmosphère alto. Mais moi, je te fais point clair. Lol. Et nous sommes à 20 minutes de vidéo. Enfin, en même temps, ça fera un petit peu moins pour vous. Allez, Pharaon, il lance point clair. Ouais, ça, c'est cool. Et il est KO. 1339. Dommage qu'il n'apprend pas d'attaque. Il n'apprend pas d'attaque, c'est pas bien ça, Pharaon. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Il n'y a rien. Petit, si tu te souviens de moi et de la planque à cajou, tu m'as battu, mais je me suis bien entraîné depuis. Ah ouais? Tu t'es entraîné sur la route? Non, parce que moi, en fait, j'ai des Pokémon level 40, là.
Arbok. Farop. Alors, un petit point éclair, ça te dit? Oh, ça va, 32. Il n'est pas KO, mais il est paralysé. Intimidation. Point éclair. C'est bon. 1008. Rafflesia. 1-1-1-1. Il va résister au point éclair de Pharamp. Il n'est pas mort. Oh oui, il n'est pas mort, pas mort, pas mort, pas mort, pas mort, pas mort. Ouais, juste après, j'ai dit n'importe quoi. Poudre dodo. Bah, moi, je t'ai fait cage éclair, mon gars. Il est totalement paralysé. Allez hop, point éclair. Moi, je ne suis pas mis les points éclairs. Oh, acide. Il va me rapporter masse d'XP, le Rafflesia. Point éclair. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 1261. Cornèbre. Voilà, j'ai deux points éclairs. Allez, salut. Au revoir. Et voilà, le cornèbre, il n'est plus là. Caïd Roquette a perdu. Mais c'est pas possible. Je mets pas à fond et je perds. Ouais, je sais, je suis trop fatigué pour faire les voix et tout. Huile Max. On va l'utiliser maintenant. Et surtout pour le point éclair. Oh, tu es arrivé jusqu'ici. Tu dois être un sacré dasseur. Nous allons contrôler cette station de radio pour annoncer au monde notre retour. Cela devrait faire revenir notre chef, Giovanni, et son entraînement solo. La gloire passée de la team sera restituée. Et toi, Moucheron, tu vas pas nous agacer longtemps. Ah, Caïd Roquette de se battre. Caïd Roquette nous envoie un malos. Un malos. Point clair sur malos. Est-ce que je crois qu'il aura un démolos, le mec? Voilà. 805. Smogo. De toute façon, il va bientôt monter au niveau 40. Donc ça, c'est cool. Point clair. Et c'est bon. À 805, 40. Démolos, on va envoyer. Alors, qui on pourra envoyer? Ah, peut-être Grolem. Parce que lui, il combat pas beaucoup. Donc, du coup, ça va lui donner l'occasion de combattre un peu. 35, en plus 35. Alors, en pleurs. En fait, séisme, elle est dans la route de victoire, je crois. Ah, ça fait mal. Ampleur. Ampleur 7. Est-ce qu'il va mourir avec ça? Oui. C'est bien, Grolem, c'est bien. Non, pardon, Giovanni. Impossible. Le rêve se brise. Je suis pas digne. Comme Giovanni l'a fait jadis, je vais dissoudre la Team Rocket. Adieu. Merci Atom. Ton acte courageux a sauvé les Pokémon du monde entier. Ce n'est pas grand chose, mais prends ceci. L'arsenciel. Ah, c'est pour OO ça. Qu'on fera très prochainement, juste avant la ligue. En fait, après on va aller aller Benel, on va faire le badge et tout. Et après on va aller à Rosalia pour OO. Mais elle était vieille et en mauvais état, alors nous l'avons remplacée par la belle tour radio. Pendant la destruction, nous avons trouvé ceci au sommet.
On dit que des Pokémon géants volaient au-dessus de Doublonville. C'est peut-être tombé d'un Pokémon. Il ressemblait sûrement à celui de la tour Ferraille à Rosalia. Bon, je retourne à mon bureau. Bon, et puis nous, on va se quitter là, les gens. Alors, merci d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, à mon compte Twitter également. Laissez un petit like ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez, salut tout le monde.